Good morning. Allez, Yidden et Yisra, aujourd'hui, la Benishmat, Avon Ben Chai, Ben Yitzhak, Vefani, David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Torah, Ben Esther, si vous souffrez, Monsieur Dieu, une prochaine étude de Mishnah, pour être 5 minutes éternelles. Nous, c'est Jumas Kret, tout votre père écrète, Mishnah Vav, Shomeret Yavam, Shenav Shlula Nechassim, Modim, Ben Shamay, Ubet, Hilel, Shemochiret, Ben Otenet, Vekayam, Meta, Ma Yansu, Victuvata, Ben Chassim, Anichassim, Ben Yotzim, Ima, Ben Shamay, Omim, Yachaloku, Yachaloku, Yorcha, Bali, Moshe, Av, ובאת הלל אומרים, נכסים בחזקת קטן. כתובה בחזקת יורשי הבעל, נכסים הנכנסים והיוצאים עמה בחזקת יורשי האב. משנה אינטגרל, כונבי הפריז, דן, מסכת יבמות, ולפן שקטיים פרק, ואז קומפר, דלה כתובה, כונדו דונה אין שומרת יבם, דונק פורסמן, כאן נתודים. On parle de Yevamot, on parle de la Ktuva de la Yevama. Quand on étudie dans Ktuvot, on fait le point de toutes les différentes Ktuvot, donc on répète la Ktuva de la Yevama. Maintenant, de quoi on parle précisément? Il y a deux points dans la Mishnah. C'est-à-dire, on parle d'une même femme qui a deux situations. Il y a, on va parler d'une Shomeret Yavam, qu'on fasse un petit peu le point là. Par rapport, juste depuis le début du chapitre, on a parlé d'une femme qui était fiancée ou mariée, qui va recevoir des biens. Et qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe si elle les vend? Ouais, on avait appris, depuis la première Mishnah déjà, qu'est-ce qui se passe lorsque la femme hérite des biens quand elle est fiancée, ou des biens qu'elle hérite avant son fiançaille. Une fois qu'elle est fiancée, est-ce qu'elle peut les vendre, ou bien c'est trop tard, ils sont déjà engagés face à son mari? Il y avait toutes sortes de discussions, de situations. Ouais, on avait trois étapes dans la vie. Il y a quand on est célibataire, après quand on est fiancé, puis après quand on est marié. Selon le cas, il y avait des discussions ou pas, est-ce qu'elle peut vendre a priori, ou même a posteriori, ou même a posteriori, est-ce que le mari va repartir réclamer les biens qui ont été vendus sans son accord. On avait appris tout ça. On a un petit peu répété selon la nécessité de notre Mishnah. Là, à présent, on va parler d'une Shomeret Yavam. On va d'abord faire le point de quelques notions élémentaires d'une Yavama. Une Yavama, c'est quoi d'abord? Vous vous rappelez? C'est lorsqu'on a deux frères, Reuven et Shimon. Reuven est marié à Rachel. Et une Yevama de manière générale, c'est quand Reuven décède sans laisser d'enfant à Rachel, ben Shimon a le devoir de se marier avec Rachel. Ça, c'est de manière générale. Depuis qu'on a étudié Yevamot, on connaît ce principe de base. D'accord? Ça, c'est le Yiboum. Maintenant, là, on s'intéresse sur le côté économique de l'histoire. Comment ça se passe, les engagements? Qui doit la nourrir? Qui doit l'entretenir? Qui doit finalement lui payer la Ktouba? Alors, on va expliquer quelques petits points. On va y aller doucement, doucement. D'abord, une généralité, le mari, Réhouven, qui s'est engagé face à cette femme, c'est lui qui s'est engagé à lui donner une Ktouba. De ce fait, lorsque Réhouven va décéder sans enfant, et que Shimon va marier cette femme, il y a une particularité cette fois-ci. Rachel va devenir la femme de Shimon, et Shimon il va devoir lui payer tout ce que son frère s'est engagé à partir des biens du frère, mais pas plus. Moi, quand je me marie, je m'engage de donner de mes biens à ma femme en cas où Shalom. D'accord? Là, il se retrouve, le Yavam, il se retrouve avec une femme, en fait, il n'a pas engagé lui ses biens pour payer la Ktouba de la femme, mais c'est plutôt les biens qu'il a hérités de son frère, parce que lorsqu'il fait le Yiboum à sa femme, il prend aussi tout le pactole, tout ce que le frère il a laissé, et tous les biens ils sont engagés pour payer la Ktouba de la femme de la Yevama. On a les trois prochaines Mishnayot qui vont parler de ça. D'accord? Comprenez bien le principe. Moi, je me marie avec une femme, je dois payer de mes biens, la Ktouba. Si je reçois quelqu'un qui reçoit une Yevama, eh bien, la Yevama, il doit la payer avec les biens qu'il a reçus du frère. Si toutefois, le frère, il a laissé aucun bien, alors on va imposer au frère, au Yevama, de lui créer quand même une petite Ktouba. Il sera plus engagé de lui rajouter toutes sortes d'ajouts et tout ça, mais à le strict minimum, parce que ça n'existe pas qu'un homme il se marie sans devoir une Ktouba à sa femme. Mais dans la mesure où le frère, il a laissé des biens, le frère, il était millionnaire. Le pauvre, il est millionnaire sans enfant, il est décédé. Son frère, c'est lui qui va hériter de tous ses millions. On les partage avec les autres frères parce que celui qui prend sa femme, il doit prendre sa femme et il s'engage de payer la Ktouba à la femme selon ce que son frère s'est engagé à partir des biens du frère, mais pas à partir de ses propres biens. C'est clair? Très bien. On va maintenant passer un petit peu le cap pour exprimer un petit peu plus les différents engagements que le mari a lorsqu'il divorce sa femme. En fait, en réalité, on a trois sortes. On les a déjà évoquées, mais on va les répéter, c'est le moment de le faire. Lorsque je me suis marié, ou comme n'importe quel homme qui s'est marié, alors la femme, elle a des biens qu'elle fait entrer dans la maison.
Les biens qu'elle fait entrer dans la maison, ils sont, il y a deux sortes de choses qu'elle fait entrer dans la maison. Il y a les, elle peut d'ailleurs décider qu'est-ce qu'elle va mettre, sous quel groupe. Ce qu'on appelle Nirsemilog ou Nirsetson Barzel. Je ne vais pas faire de la terminologie pour vous expliquer comment ça, pourquoi ça s'appelle comme ça, on va juste prendre les données. Mais il y a des choses qui appartiennent à la femme, qu'elle les met à ma disposition, et que ça devient d'une certaine manière les miens, complètement. Sauf qu'en cas de divorce, je dois aller lui rendre. Ça, c'est ce qu'on appelle Tson Barzel, Nirsetson Barzel. Mais il y a des biens qui restent la possession, la propriété de la femme. Et qu'elle met aussi à ma disposition pour que je l'utilise, mais que ça reste les siens. À la différence des précédents, elle me les donne. Elle me les donne, alors c'est là où ça se passe, que la différence. Lorsqu'elle fait rentrer des différents biens qu'elle va faire rentrer, imaginez qu'elle fait rentrer une voiture, elle peut décider de la faire rentrer soit sous forme de Nirsemilog, soit sous forme de Nirsetson Barzel. Si elle va faire, la faire rentrer en Nirsetson Barzel, eh ben, au moment du mariage, on va faire une évaluation des biens, on va dire, ah, cette voiture, elle coûte 50 000 shekels. Et 50 000 shekels, elle l'a fait rentrer maintenant, elle devient ma voiture, et moi je lui dois 50 000 shekels. En cas de divorce, je dois lui rendre les restes de la voiture, plus lui compléter jusqu'à 50 000 shekels. Ça, c'est si elle l'a fait rentrer sous forme de Nirsetson Barzel. Si elle l'a fait rentrer sous forme de Nirsemilog, alors là, ça devient différent. Ça reste sa propre voiture, mais j'ai un droit d'exploitation. Ça ne devient pas ma voiture. L'autre, ça devient ma voiture, que juste en cas de divorce, je dois lui rendre. Et compléter. Là, ça reste sa voiture. De ce fait, la voiture, elle se dévalue, c'est son problème à elle. Mais tant qu'elle est là, elle ne peut pas la vendre à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai le droit de l'exploiter pour l'utiliser. Ce qu'on appelle Nirsemilog, Nirsetson Barzel. Ça va être nécessaire pour comprendre notre Mishnah. Parce qu'à présent, on va s'adresser à une Shomeret Yavam que pour le moment, on ne s'est pas encore marié avec elle. Tout d'abord, première situation, il y a deux cas. Je le fais à l'oral, je le dis à l'oral d'abord. Il y a un premier cas où on va s'intéresser d'abord à la question générale du début du chapitre. Lorsqu'elle est Shomeret Yavam, elle est en train d'attendre que je lui fasse le hiboum, elle reçoit des biens. Qu'est-ce qui se passe si elle vend ses propres biens-là? Est-ce que je peux l'en empêcher ou bien non? Ça lui appartient. Pour le moment, ce n'est pas à ma femme. Vous vous rappelez de ma fiancée, comment ça se passe? La fiancée après les Kiddushin, avant les Nisuin. Si elle reçoit des biens, on avait une marque de Betchamay ou Bethilel. Est-ce que la femme peut décider de les vendre? Parce que pour le moment, tant qu'on ne vit pas encore marié qu'on présent sous le même toit, ce qu'elle a, ça lui appartient, malgré tout. D'accord? Donc en théorie, elle pourrait les vendre. C'est d'ailleurs l'avis de Betchamay. Bethilel, il n'était pas d'accord avec ça, parce que Bethilel, il disait non. La femme, puisque maintenant, quand tu te maries, quand tu te fiances avec elle, c'est en vue du mariage, tu as déjà un potentiel de droit qui empêche que maintenant, a priori, elle ne peut pas vendre. A posteriori, si elle a vendu, ce sera quand même une vente qui sera validée, même si ça a été sans mon accord, et ce qu'elle aura reçu, ça lui appartiendra pour le moment, et moi, je n'ai pas de droit dessus. Mais en théorie, elle n'a pas le droit de vendre, a priori. Maintenant, on s'intéresse à la Shomeret Yavam. Le frère Réhouven, il est décédé, elle est en train d'attendre, pour le moment, elle reçoit un super héritage de son grand-père, et maintenant, elle reçoit ses biens. Qu'est-ce qu'elle fait de ses biens? Est-ce qu'elle a l'obligation d'attendre? Est-ce qu'elle peut les vendre ou pas? Alors sur ça, Shomeret Yavam, Shenaflola Nechassim. Une femme qui attendait, elle est Shomeret Yavam, elle attendait le Yavam qui vient de lui faire le hiboum, qui est Shenaflola Nechassim, elle a reçu, ils lui sont tombés dessus des biens. Elle a reçu un héritage à un homme des biens. Modim Bet Shamay ou Bet Hillel, Bet Shamay et Bet Hillel sont tous d'accord, chez Mocheret Benotenet Vekayam, qu'elle peut sans problème les vendre et cette vente sera maintenue sans que personne ne puisse s'en opposer. À la différence de la fiancée elle a un statut assez différent. Parce que, d'abord, premièrement, c'est un point qui va nous aider même pour la suite, c'est que la fiancée, si elle a un écart, elle est passible de mort. De jeu de donner les kiddushin. Les kiddushin, la fiancée de l'époque, c'est pas comme on avait expliqué déjà. Je le fais les kiddushin, même si elle est encore chez son père, c'est bien ma femme, mais si elle a déjà un écart, on la tue. C'est une femme mariée qui fait un adultère. À la différence de la Shomeret Yavam, elle transgresse juste un issur lav. D'un côté, la Shomeret Yavam, elle est donc moins forte. Elle est moins engagée face à moi. Pire que ça, elle n'est même pas engagée face à Shimon. Elle est surtout engagée à cause de Reuven, mais Reuven, il est déjà plus sur terre. Donc elle est un peu en stand-by, c'est une femme, pas vraie. Mais d'un autre côté, elle a connu Reuven de beaucoup plus près. À la différence de la fiancée qui n'a jamais vécu avec moi, elle, la Yevama, elle a vécu avec un mari. Et son frère, il doit continuer ce mariage. Elle a un avantage, un inconvénient, un peu, quelque part. Alors, c'est pour ça qu'elle a un statut un peu spécial. Mais étant donné qu'en tout cas, pour le moment, la première donnée de base de la Mishnah, c'est de me dire que si elle a des biens qui tombent pendant qu'elle chante un Yavam, elle ne doit rien, pour le moment, au beau-frère. Elle peut, si elle veut, elle peut revendre les biens,
dilapider son argent sans aucun problème, le mari n'a aucun droit d'empêcher. Le Yavam n'a aucune possibilité de l'empêcher. Aucun, d'accord? Ça ne concerne pas. Meta, maintenant, nouvelle situation, la pauvre, elle est morte. Elle est morte. Elle n'a pas enlevé le hiboum, elle meurt. Alors là, bon. C'est bien elle, Vadaï, il n'y a aucune question, le Yavam ne veut pas hériter cette femme. On n'en parle même pas. En théorie, une femme qui décède, le mari hérite de ses biens. Là, une chomeret Yavam qui décède, le Yavam potentiel ne pourra pas, ne va pas hériter de ses biens. Sur ça, il n'y a pas de question. Mais ce qu'on va s'intéresser maintenant dans notre Mishnah, c'est toutes les choses que le Yavam devait payer à la femme, à cette Yavama. Soit, je répète maintenant ce qu'on a introduit tout à l'heure. Réhouven, il s'est engagé d'une part que le jour où il la divorce, il devra lui donner trois choses. Il devra lui donner d'abord la dot, ce qu'il s'est engagé de payer, c'est 100 ou 212, plus même un supplément. Selon ses beaux yeux, il a décidé de lui donner une belle somme. 100 000 euros, premièrement. À part ça, il doit rendre les nirset de son barzel. Lorsqu'elle s'est fiancée, lorsqu'ils se sont mariés, elle a fait entrer dans la maison, elle a fait entrer des biens, elle les a. Elle a fait entrer des meubles, elle a fait entrer des draps et des lits, tout ça, ça venait de la maison de son père, ça lui appartient, elle les met à disposition de notre couple. Très bien, on fait une évaluation, c'est encore 20 000 euros, d'accord? Ouais, on va dire comme ça, il y avait 100 000 de dot à payer en cas de divorce, plus 20 000 à rendre, c'est les Nirsé de Sot Barzel, ça l'a fait entrer, ils ont juste fait entrer pour mettre à disposition de genoux, ça ne lui appartient plus après, maintenant je lui dois. Si on divorce, je lui donne les restes et je lui complète jusqu'aux 20 000 euros. À part ça, elle a les Nirsetson Barzel. Nirsetson Barzel, donc c'est les choses qu'elle a fait entrer dans la maison, mais qu'elle ne les a pas données. Ça reste, c'est bien réel. Mais j'ai le droit de les utiliser. Sa machine à coudre, elle ne me l'a pas mise à disposition pour que j'en fasse ce que je veux, mais elle a fait entrer, ça devient Nirsetmilog. Et dans ce cas-là, en cas de divorce, je lui rends sa machine à coudre, donc je ne dois pas utiliser la dévaluation. Je ne dois pas payer la dévaluation, ça c'est vrai. Mais. D'accord. Je dois le rendre, mais tant qu'on est marié, je dois les utiliser. Alors maintenant, on s'intéresse, il y a trois choses. Qu'est-ce qu'on fait en cas de divorce? En cas de, si elle décède, la chomeret Yavam. Donc, elle a fait entrer toutes ces choses-là chez Réhouven. Réhouven, le pauvre, il est mort, son enfant. Elle attendait que Shimon lui fasse le hiboum. Et la pauvre, elle aussi, elle est partie. Elle est partie maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tous les biens? Ils sont pour le moment tous, concrètement, ils sont détenus en possession du Yavam, puisque c'est lui qui hérite son frère pour le moment, il doit hériter son frère. Et il doit hériter son frère, mais il ne doit pas hériter sa femme. Donc en théorie, les héritiers de sa femme, c'est qui? C'est plutôt les. Elle a cette femme-là, la jeune Rachel. Elle a un autre frère qui s'appelle Lavan, il faudrait peut-être payer à là-bas, lui donner à Lavan. C'est bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors sur ça, il y a une discussion. Selon Beit Shammai, c'est plus facile à expliquer, mais c'est plus difficile à comprendre. Mais Beit Shammai aurait miachloko yorche abalim yorche av. Selon Beit Shammai, Shimon, il va rencontrer Lavan, il va dire écoute, on fait 50-50, moitié-moitié de tout ce qu'il y a ici. Qu'il s'agisse de la Tosefet Ktuba, qu'il s'agisse de Tzon Barzel, de Nirsé Milog, on partage tout en deux. Parce qu'en fait, la grande question à savoir, elle est lorsqu'elle était Shomeret Yavam, il fallait la considérer comme une femme mariée ou comme une femme qui n'est pas encore mariée. Si c'est une femme mariée, donc c'est moi, Shimon, qui dois l'hériter. Si elle n'était pas mariée, donc c'est pas du tout ma femme, donc tout ce qu'en ce cas-là, ce qu'elle laisse, c'est pour ses frères. Il y a un safek, parce que là, en fait, on considère que c'est un safek, c'est un doute. Comment considérer la Yevama? Comme une femme mariée ou comme une femme pas mariée? Dans le doute, on ne peut pas trancher, il n'y a personne qui a. Il n'y a pas de razaka dans un cas pareil, apparemment. Et donc sur le Machamai, on coupe tout en deux, on fait moitié-moitié entre les héritiers. Yorché Abal, le Yorché Av, les héritiers du mari, Shimon et les autres frères. Shimon s'est pas mal avec elle, c'est juste les Yavamim, et les frères de Léa, ou les héritiers de son père, son beau-père. Ensuite, ça c'est d'après Beit Shammai, ou Bethilel et l'Omrim, Bethilel et l'Omrim, ils disent non, Nechassim, Bechaskatad. Alors Bethilel, c'est compliqué, parce que là, il va partager ça en trois, il va nous dire Nechassim, Bechaskatad. Les Nechassim, on parle des Nechassim, c'est Tzon Barzel, on les laisse dans la position de chez qui ils sont, mais ils sont chez qui? C'est un flou, c'est une marloquette. D'accord, c'est une marloquette dans la Gemara, comment interpréter cette phrase? Nechassim bechaskatan, parce qu'en fait, en théorie, si vous faites attention, d'une certaine manière, on peut dire que Réhouven, lorsqu'elle a fait les Tzon Barzel, c'est les fameux
meubles et draps qu'elle a mis à disposition du couple, elle les a donnés complètement au mari, et le mari s'engageait en contrepartie de donner 20 000 euros en cas de divorce. Donc pour le moment, le mari, il a juste une dette de 20 000 euros en cas de divorce. Mais pour le moment, les biens eux-mêmes, la table et les meubles et ce que vous voulez, ça appartient pour le moment au mari. De ce fait, lorsque Shireouen décède, c'est Shimon pour le moment qui rentre en possession de Douza. En cas de problème, il devra payer. Il n'y a pas eu de problème parce qu'elle est morte. Il n'y a plus de dette. En théorie, donc ça voudrait dire qu'en fait, Fras Katan, ça reste dans la position de Reuven. Ou est-ce qu'il faut considérer que la situation est complètement différente? D'accord? C'est le Marloquet dans la Gemara. Et à part ça, Ktouba, Becheskatur, chez Abal, ce qui s'engageait de payer les 100 et 212 plus le supplément, ce qu'on avait dit tout à l'heure, 100 000 euros, il devait lui donner. Ça reste en possession des héritiers du mari. Tandis que Nechassim, Nechassim, et Yotsimima, Becheskatur, chez Abal, ce qu'on appelait les Mirsemilog, les choses qui lui appartiennent à elle, on a dit l'exemple de sa machine à coudre, qu'elle aime, elle a reçu de son père en cadeau, elle veut la prendre, elle la rend, elle met à disposition au mari pour qu'il l'utilise, mais elle ne lui donne pas en cadeau pour qu'il en reste. Donc elle le garde, ça reste son bien. Et dans ce cas-là, lorsqu'elle décède, ils seront ils resteront en possession détenue par les héritiers du père, donc du côté de la femme, les héritiers de la femme et pas le Yadam. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.